Mercredi 21 novembre 2018, le froid gagne à peu près toute la France, ça tombe bien, je me charge de te réchauffer avec ton top 10 compte cuts FFBB. Bien sûr, si, si, on est parti. Numéro 10, Andrézy Underrun, Chubai pris de vitesse, mais y'en a un qui ne renonce pas, la muraille Cédric Bah. Grosse perte de Souffel qui limite l'une des meilleures attaques à seulement 59 points. Numéro 9, première saison à tour pour le Jamaïcain. Plus impitoyable que le tir en freezer, il intercepte et prend un tir milieu de terrain dans le dernier instant. Tyran de la Thibaudière. Buzzer du quatrième quart histoire d'écœurer les supporters de Chaland. Ah, la huitième place, ballon dans les mains de Samir Megdad. La défense de Tarbes obnubilée par le vainqueur du K54-2014 oublie Mr. Watt libéré. 4 joueurs out sur l'action et le alley-oop à la conclusion. 4ème win de suite pour le Havre. En numéro 7, pour Nemanja Kovanusic, dos au jeu, ça a l'air mal embarqué à première vue, mais il se retourne vite et a le mérite d'y avoir cru. Adrien Timon dépose d'Almeida et décolle, mais le Bosnien au dernier moment lui dit non. En 6ème position, de retour à Chaland où cette action des tours en jeu vaut clairement le détour. Ah, au basket, y a pas de secret, un collectif bien huilé, un bon enchaînement de passes et le tour est joué. Tout le 5 touche la gonfle, ça patiente avant cette passe à terre, tout en simplicité. Easy basket! Finition à deux mains du tyran et victoire de l'UTBM. Numéro 5, après sa défaite face à Aubenas, Saint-Vallier voulait renouer avec la victoire. Jean-François sauve cette balle, le repli défensif de Kaisersberg est poussif. Parfait pour Njiba qui en profite. 19 points pour Perfect Njiba mis par Amrani en orbite. À la quatrième place, on reste à la salle des deux rives où on retrouve des gilets jaunes bien motivés. Grosse presse de Ludo Schell en bord de fin qui chippe le ballon à Godin. Et s'arrache pour Konaté. Grazie. 8ème victoire de la saison pour le SVBD, 99 à 84 à domicile. Prochain match à Boulogne. Numéro 3, Keta est si monstrueux sur les terrains qu'à Saint-Quentin on lui a fait faire une prise de sang. J'ai les analyses, on a extrait de la seringue un liquide mutant. Incontrôlable, Mohamed Keta écrase son adversaire avec ce get-back. Le ballon lui a quitté la terre. 10ème victoire pour le SQBB qui se balade en N1. En 2ème position, dunker de génie, le All-Star Dylan Gendré est également un bâcheur accompli. Sourire crispé dans le public de Tremblay qui en dit long sur ce qui vient de se passer. Highlight machine avant à grande sainte, c'est maintenant le maillot de Maubeuge que Dylan a choisi de porter. Et le numéro 1 cette semaine, le coup de chaud de Tony Guzzo. Avec 3 tirs primés de suite, dont avec la faute, Tristan Tony Guzzo a inscrit 10 points en 1 minute à peine. Avec son alley-oop conclu par Williams, on est sur un 12-0. Le joueur de 24 ans permet aux Jet Vosges de revenir face à Obena. Mais les gilets jaunes encore eux finiront par stopper ce comeback et s'imposer à l'extérieur. 72 à 81, score final.